Je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avons ce que j'ai dit contre lui. Son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il l'a dit contre Kabila, contre Kabila. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le père était de cette vie d'embarquer. Vous me dites, c'est un fou. Vous me dites, vous ne m'avez pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée. Vous voyez, on peut que prendre ces dossiers. Mais maman, vous n'avez jamais été arrêtée par les députés. L'actuelle première dame n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila, Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée. Le peuple de tout mettre en œuvre pour que M. Tshisekedi soit mis de côté aux prochaines élections, parce que je considère que le pays pourrait danger avec lui à la tête du pays. Les dangers, peut-être, mais les dangers, c'est lesquels? Le danger, c'est la misère du peuple. Le danger, c'est l'insécurité à l'est du pays. Mais le danger, c'est l'insécurité ici, le banditisme urbain, les enlèvements. Le danger, c'est l'absence d'un programme social cohérent. Le danger, c'est l'absence d'un programme clair au sommet de l'État. Tout est fait vaille-que-vaille. C'est essai-erreur. Mais c'est ça le danger. Vous pensez que le danger, c'est quoi, monsieur le ministère public? C'est ça le danger. Alors je considère que parce que le pays court un danger, j'appelle le peuple à ne plus voter pour M. Tshisekedi et à tout mettre en œuvre pour que celui-là ne soit pas la tête du pays. C'est ce que cette phrase voudrait dire, tout simplement. Et je suis en droit de le dire. Je me répéterai chaque fois que je prendrai la parole, que le ministère public doit comprendre que je ne suis pas exprimé comme un monsieur qui criait dans la rue. Non! Je me suis exprimé comme candidat président de la République. Je me suis exprimé comme président d'un parti politique de l'opposition. Je me suis exprimé comme un député national. Parce que nous avions dit ce que j'ai dit contre lui. Son père, le père du chef de l'État, l'a dit contre lui. Il l'a dit contre Kabila, contre Kabila. Lui-même a même dit un jour que Mobutu était fou. Parce qu'on avait empêché que le père était de cette vie d'embarquer. Vous souvenez là, il me coûte, c'est un fou. Il me coûte, mais je ne l'avais pas arrêté. Mais moi, mon épouse a été même arrêtée et condamnée. Pour le fait que moi j'ai commis, mon épouse a été condamnée. Vous voyez l'ampleur que prend ces dossiers. Mais maman n'avait jamais été arrêtée par le député. L'actuelle première femme n'avait jamais été arrêtée par Kabila. À l'époque de Kabila, Kabila n'avait jamais arrêté ma femme. Mais nous avons dit plus pire que ça. Mais cette fois-ci, ma femme a été condamnée.